ADN ne doit pas être pris à la légère. Ça peut détruire complètement une famille. Et moi, je dis qu'il faut être préparé psychologiquement. Il ne faut pas faire un test ADN comme ça. Le papa qui m'a élevé, il était très colérique. J'avais pas beaucoup de rapport avec lui et j'en avais peur. On m'a dit plusieurs fois, j'ai posé la question à ma maman. Je lui disais, mais écoute, dis-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe? Et je discute une fois avec ma soeur, j'écoute, moi, il faut que je sache. Donc, le papa est décédé, mais maman est là, toi tu es là, moi je suis là, maintenant j'aimerais savoir. On avait bien la même mère, mais pas le même père. Maman m'a avoué, en fin de compte, elle m'a dit, écoute, voilà, c'est lui. Et effectivement, j'ai jamais osé t'en parler, j'avais honte. Ma mère me dit, il y a des enfants du côté de ma biologie. Il y a un sentiment, malgré tout, de vide. Personnellement, ça m'a touchée parce que j'ai plus senti comme ma sœur. On a fait l'émission Toute une histoire. Il me propose de rencontrer mon frère. Et le soir d'avant, mon frère me téléphone en me disant « Mais en fait, est-ce que tu es vraiment ma sœur ?» Et j'ai refait un deuxième test ADN avec ma demi-sœur. Au niveau de la filiation, le père donne plus à la fille. J'ai fait donc avec elle. En fin de compte, on n'avait pas le même papa. Je connais ses enfants. Je passe 4 ans avec eux. Et tout d'un coup, pof, en fin de compte, c'est plus lui. Complètement. Complètement, j'ai une nouvelle identité. Mais elle n'est pas perturbante, cette nouvelle identité. Ça m'a perturbée, ça veut dire que je me suis mariée 4 fois. Je commençais un truc, je finissais pas, je sortais beaucoup. En fin de compte, je m'évadais tout le temps. Un jour ou l'autre, l'enfant il va chercher. Et le jour où il va chercher, ça va faire un drame. Quand on n'a pas notre identité, moi en tout cas, avec les discussions que j'ai eues avec beaucoup de personnes qui ont eu un peu les mêmes cas que moi, se sentent abandonnées.